Cher vénéré maître et cher noble sangha, chers frères, voilà, nous sommes aujourd'hui nous sommes en binôme. Vous voyez Thai en mon frère et en moi-même. Et je vais commencer en disant la date. Aujourd'hui nous sommes le jeudi 13 avril. Jeudi 13 avril de l'an 2017, et nous sommes dans la salle de la pleine lune au hameau nouveau. Et donc nous sommes très, comme je disais, nous sommes très heureux d'être ici parmi vous. Une phrase que j'aime bien, que notre maître nous offre, il dit « Chaque être humain est un univers à découvrir. Chaque être humain est un univers à découvrir. » Donc c'est se découvrir nous-mêmes et découvrir tous les êtres humains et même plus encore, et de s'émerveiller. Et personnellement, je reviens d'un voyage en Israël et en Palestine où nous avons offert des retraites avec une de mes sœurs aînées qui vit actuellement dans notre institut en Allemagne. Et nous avons offert une retraite en Israël et une retraite en Palestine, dans les territoires occupés. Et c'est la première fois que l'une et l'autre nous allions dans ce pays. Et pour moi-même, je pensais, qu'est-ce que je vais pouvoir enseigner, offrir. Et je savais que je devais me laisser imprégner par le pays, par les personnes que je rencontrerai et découvrir chaque personne. Et c'était un voyage très riche et très, je pourrais dire aussi intense intérieurement à vivre. Je vais parler un tout petit peu plus tard de certains exemples. Mais une pratique que j'aime beaucoup faire le matin, c'est marcher. Et surtout quand il y a une petite émotion qui est là. Donc par exemple, ce matin, bien sûr, il y a l'émotion de parler devant tant de personnes, même si vous êtes des amis et que je me sens bien et en sécurité. Mais je suis allée marcher. Et je contemplais les fleurs, et je ne sais pas si vous regardez le matin, les petites pâquerettes, ou alors les marguerites, ou d'autres fleurs, et comment elles sont le matin, à votre avis? Elles sont fermées, oui. Vous savez, quand je regardais aussi particulièrement quand j'étais en Israël, j'avais regardé, il y avait beaucoup, beaucoup de marguerites, et les pétales sont dans l'autre sens. Ils ne sont pas fermés comme ça, mais ils sont pliés dans l'autre sens. Et, mais il y avait certaines pâquerettes sur le chemin qui étaient déjà ouvertes. Et dans la journée, qu'est-ce qui se passe? Elles s'ouvrent, voilà. Et c'est la même chose avec la pleine conscience. Donc la nature, en fait, le soleil, les rayons du soleil, transforment la nature, n'est-ce pas? Et ça permet à la végétation de fleurir, s'épanouir. Et c'est la même chose avec la pleine conscience. Elle nous transforme. On n'a pas besoin de faire d'efforts, simplement pratiquer. Et la pleine conscience va nous épanouir. Épanouir la fleur que l'on est, l'arbre que l'on est. Pendant ce voyage en Israël et en Palestine, et durant la retraite que l'on offrait en Palestine dans les territoires occupés, il y avait des jeunes palestiniens, et particulièrement deux jeunes qui étaient en chaise roulante et à qui ils avaient reçu une bourse pour pouvoir venir pratiquer. Et il y a
une jeune femme qui était là, qui est handicapée depuis sa naissance. Et la retraite se passait avec une toute petite colline et avec une petite forêt où on a fait des marches méditatives. Et le premier jour où nous sommes allés pour la marche méditative, elle ne voulait pas venir pour ne pas nous gêner, pour ne pas que l'on pousse sa chaise roulante. Mais on lui a dit, si, tu viens, on va pousser ta chaise. Mais pendant toute la marche, elle était très embêtée, gênée de nous gêner. Mais il y avait une amie qui la connaissait bien et qui savait que elle était gênée. Mais donc elle a dit, non, tu ne nous gênes pas. Et le lendemain, quand elle a demandé elle-même si elle pouvait retourner faire la marche méditative, mais cette fois-ci, qu'on ne la pousse pas. Elle voulait essayer elle-même. Elle avait un fauteuil roulant très rudimentaire. Donc par elle-même, elle a monté la colline et pratiqué la marche dans sa chaise roulante. Mais je marchais à côté d'elle et je retournais à ma respiration et essayais de me mettre à son rythme avec les roues et lui dire et de l'arrêter aussi de temps en temps, juste simplement pour apprécier. Et c'était pour elle un bonheur immense, car c'était la première fois qu'elle était dans une forêt, dans une colline. Elle me disait elle n'avait jamais vu réellement, elle voyait tout le temps à la télévision, car elle se pensait, on lui disait, c'est pas possible, tu peux pas faire. Et là, elle a découvert qu'en fait, qu'elle avait la capacité et la possibilité de faire. Et c'était un très grand bonheur de la voir et de voir aussi que grâce aux autres pratiquants, à nous tous, du soutien qui lui était offert et cette confiance, cette découverte de sa propre capacité qui lui a donné, mais oui, je peux faire. Et donc, et à la fin de la retraite, elle a partagé qu'elle allait amener d'autres amis qui sont en chaise roulante comme elle et leur faire découvrir que oui, ils peuvent, ils sont capables de faire. Donc c'était un très beau moment. Hier, Sœur Yakhnim parlait des îlots de lumière, les îles de lumière. Et c'est pour elle de découvrir sa force et sa capacité. Et pour moi, par exemple, qui était à côté d'elle, je pouvais recevoir son énergie de bonheur, sa pensée qui était tournée vers l'émerveillement de pouvoir voir les fleurs de ses propres yeux, de voir les arbres. Et c'était très nourrissant, guérissant. Durant cette retraite, durant ce voyage, la chose que je savais le plus en moi-même, qui était le plus importante, c'était d'offrir ma propre énergie de paix, de solidité et de stabilité. Et je voyais comment est-ce que je peux faire cela. Je sais que j'ai un entraînement depuis un certain nombre d'années de marcher en pleine conscience, respirer en pleine conscience, d'amener la pleine conscience dans mes gestes de la vie quotidienne. Mais quand on est dans un environnement pas toujours facile, c'est pas toujours facile à faire. Mais cela m'a, comme c'était ce que je voulais offrir et une aspiration, donc j'ai vraiment mis toute mon énergie dans mes pas. Et je sais que c'est un très très grand cadeau que j'ai reçu et que beaucoup d'entre nous avons reçu de notre maître, c'est d'apprendre, de réapprendre à marcher et de vraiment marcher en pleine conscience. Et donc j'ai pratiqué beaucoup la marche méditative pour moi-même avec les groupes. Et
comment je pratiquais pour garder aussi la paix et aussi pour envoyer cette énergie de paix. Je me disais en moi le mot shalom, veut dire paix en hébreu, et salam, paix en arabique, en arabe. Shalom, salam, shalom, salam, pour envoyer mon énergie de paix. C'est en hébreu et en arabique. Oui, c'est ça. On va écouter un son de cloche. Shalom, c'est la paix, ça veut dire la paix en hébreu. Et salam, ça veut dire la paix, mais en arabe. En arabe. C'est ça. Et quand moi-même, j'ai été élevée dans la tradition chrétienne, et donc en allant en Israël, on appelle la Terre Sainte, hein, pour nous. Les personnes qui ont été élevées dans la tradition chrétienne. Et en étant là-bas, quelque chose qui était très fort, hein, c'est de voir que le passé est dans le présent. On le voit, le passé est très fort dans le présent. Et c'est très fort. Hein. Et ce que j'ai, pour moi, mon propre ressenti, c'était, je me suis, comme hier, Sœur Yakni me parlait qu'elle se laisse être une éponge pour être imprégnée du printemps, hein, l'image que Sœur Yakni m'a donnée hier. Donc, quand moi, je me trouvais là-bas, je me suis laissée imprégner par toutes ces différentes cultures et religions, et ces trois religions principales qui se mélangent et qui sont très fortes ensemble. Et ce que j'ai ressenti en moi très fort, c'était en fait que ces trois religions, elles sont ma propre racine. Il n'y a pas de séparation. Et que la tradition musulmane, juive, chrétienne, en fait, sont ma racine. Et qu'elles sont mon arbre. Elles me font grandir. Hein. Et c'était très fort. Hein. Et de voir le pouvoir de la pensée. Le pouvoir de la pensée qui pousse vers la discrimination, la séparation, et bien sûr qui amène beaucoup de souffrance, de douleur. Hier, ma grande sœur bien-aimée, l'abbesse de la maison de l'Inspire, où moi-même j'ai vécu pendant 5 ans, et là maintenant je suis revenue au hameau du Bas depuis 1 an et demi, et elle parlait comment arroser nos graines de joie et de bonheur et combien c'est important pour pouvoir gérer notre souffrance et pouvoir accueillir toutes les différentes situations de la vie qui sont là, qui sont difficiles. Et dans ma mémoire, qui est très imprégnée, parce que lors du dernier enseignement offert par notre maître, alors qu'il commençait déjà à être très malade, hein, il était dans sa chaise roulante, et c'était en octobre 2014, pendant une retraite offerte en français, mais pour les éducateurs. Hein. Et Thay était déjà pas bien,
Mais il a voulu venir quand même. Hein. C'est-à-dire, on nous avait demandé avec Sœur Yunyim et moi-même d'offrir un enseignement. Et il nous avait dit peut-être Tai viendra, mais peut-être juste pour quelques minutes. Et puis moi, je n'avais pas vu notre maître depuis plusieurs semaines. Et j'ai aperçu, donc on était là toutes les deux, et j'ai aperçu notre maître poussé dans sa chaise roulante avec ses attendants qui étaient là, nos frères qui s'occupaient de lui et sœurs. Et j'ai ressenti en moi une tellement grande joie de revoir notre maître là et qu'il venait offrir sa présence. Et donc il est venu et il a offert un enseignement d'une demi-heure. Hein. Et après, sœur Dinyim avait partagé que Tai s'était entraîné pendant plusieurs jours pour pouvoir articuler son enseignement, parce qu'il avait déjà une petite difficulté d'articulation, de parler. Et un moment de l'enseignement très fort, hein. et Tai, à un moment, c'est comme s'il s'est voulu se lever de sa chaise roulante, et les deux moines derrière et moi-même, on a eu une réaction, parce qu'on savait que si Tai se levait, il ne pouvait pas se tenir sur ses jambes. Et Tai dit, chaque pratiquant doit être capable de générer une énergie de joie et de bonheur chaque moment et chaque n'importe où. Enfin, c'est mais une façon qui était tellement de nous transmettre cela très fort. Hein. Parce que quelquefois on se dit mais non, c'est pas possible, c'est trop difficile, je souffre trop, je peux pas. Mais si, c'est là. C'est là, et c'est cela qui va nous aider à passer à travers les moments difficiles, nos situations très dures, des souffrances très profondes, mais aussi les petites choses du quotidien, les irritations du quotidien, nos pensées qui sont négatives ou lourdes. Et on va écouter un son de cloche. Avant que je parle particulièrement d'une graine que je connais bien, qui s'appelle la graine de colère. Comme je veux laisser suffisamment de temps à mon frère aussi pour partager, donc je vais essayer de garder concret ce que je voudrais vous dire et pas trop long. Donc, dans le bouddhisme, il y a une chose que l'on fait tout particulièrement, qui en sanskrit s'appelle bhavana, et qui est cultiver, apprendre à cultiver notre esprit, la culture de notre esprit. Donc il y a l'image qu'en nous, il y a toutes sortes de graines, de semences, hein, et que donc il y a la terre. Hein, et qu'est-ce que je veux faire pousser comme semence? Qu'est-ce que je veux faire pousser comme fleur, comme arbre dans mon jardin? Donc, si je veux faire pousser un olivier, mais que je plante un pommier, je m'occupe du pommier, je vais avoir un pommier qui va pousser et non pas un olivier, mais je vais me fâcher parce que c'est le pommier qui pousse, mais pas l'olivier. Et donc, c'est savoir reconnaître qu'est-ce que je veux faire pousser dans mon jardin, de quoi je vais m'occuper le plus. Mais quelquefois, il y a des choses dans notre jardin qu'on préférerait qu'elles soient un peu différentes. Et particulièrement, moi, j'aimerais personnellement que ma graine de colère,
ou de réactivité facile, ben, elle se transforme. Mais ça prend du temps et ça prend aussi de la reconnaître, hein, l'accepter, l'embrasser, en prendre soin. Et une petite situation qui s'est passée il y a quelques jours. Et je sais qu'il y a des choses, des conditions qui vont faire que je vais être, ça va être plus facile pour moi de réagir. Et je voudrais savoir combien d'entre vous n'ont pas de graines, enfin ne sentent pas la colère ou ils réagissent pas trop. Merci, ça me rassure. Je ne suis pas toute seule. Je vais boire une tasse de thé avec vous. Vous savez, on nous a mis nos verres de thé et la tasse de thé sur un très joli plateau. Avec un beau sourire. Vous savez, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est? Quelque chose que l'on connaît, une peinture avec un sourire. La Joconde. Vous connaissez tous, j'imagine. Elle a un très beau sourire, donc elle nous sourit. Donc c'est ce que je fais aussi avec ma graine d'irritation et de colère. J'essaie de lui sourire. Bon, je me suis entraînée, donc dans beaucoup d'occasions, je suis capable de lui sourire. Mais je sais, comme par exemple, là, dans la situation que je viens de dire, comme je suis revenue d'Israël juste 2 ou 3 jours avant le début de la retraite francophone, j'étais assez fatiguée. Et puis un peu le stress des préparations de cette retraite. Hein. Et donc, je sais qu'il y a une certaine sensibilité et plus de facilement réactive, hein, dans quelque chose... dans une situation, et je remarque que la peur de la souffrance de l'autre, ou la peur que l'autre va être pas heureux ou pas bien, ou que quelque chose peut se passer, que je cherche à protéger, ça va toucher quelque chose en moi, et la graine de colère, l'énergie de colère va sortir comme une réactivité par rapport à la situation. Mais ce qui s'est passé, c'est que donc ça a touché en moi et ma sœur qui était là a reçu mes paroles avec cette énergie qu'elle a reçue, comme c'était difficile pour elle de recevoir. Donc, comme je sais, j'ai reconnu. Et donc, j'ai pu pratiquer. Ensuite, on s'est retrouvés ensemble et on a discuté un petit peu, parlé un petit peu de la situation. La seule chose qui s'est passée, que c'était pas le moment. Parce que j'ai remarqué que moi, avant, je faisais beaucoup ça. Je ne veux pas rester avec un ressentiment dans mon cœur envers quelqu'un. Et donc, j'essayais de résoudre la chose très vite. Mais trop vite, parce que l'autre et moi-même particulièrement, mon énergie n'était pas apaisée et calmée. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Et en fait, je sentais en fait que la graine de colère en moi montait. Donc, ce que j'ai appris, ce que je sais, okay, de ne plus parler et de sortir. Hein. Donc, j'ai réussi à faire cela. Parce que la tendance, hein, je ne sais pas, peut-être pour vous, c'est différent. Mais des fois, la tendance, hein, c'est de continuer. Et ce que ça fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, c'est comme une casserole, hein, qui est sous un feu. Et dans le feu de l'émotion, ben, ça, les pensées, elles cuisent et elles augmentent. Donc, les pensées, les ruminations. Et si je continue à monter l'émotion, à rester dans l'émotion, ben, ça va augmenter toutes mes pensées et tout ça, et ça va être une énergie de pensée négative qui va être très forte, parce que nos pensées sont très puissantes,
Donc des pensées de paix peuvent amener la paix. Pensées de compassion, comme hier quand on chantait le chant de Damo Avalokiteshvaraya, cette pensée de compassion que 800 personnes ensemble génèrent, c'est un nuage de paix, d'amour qui part pour le monde entier. Donc quand nous pratiquons tous ensemble la marche, la respiration en pleine conscience, dans des retraites ainsi, c'est très fort ce que nous offrons au monde. Très très fort, notre pensée est très très puissante. Donc j'essaie de revenir à ma petite colère. Je vais écouter un son de cloche parce que ma pensée est partie. Voilà, la pensée est revenue parce que la cloche m'a rappelé. J'ai porté mon attention sur la cloche, elle m'a dit reviens, reviens dans le moment présent, reviens là. Et donc la pensée est revenue, je vous parlais de la casserole et des feux en dessous de la casserole. Donc ce que j'ai essayé de faire, c'est baisser le feu de l'émotion, c'est-à-dire de m'apaiser, de prendre soin de ce qui se passait en moi. Et la meilleure façon qui pour moi m'aide beaucoup, c'est la marche, faire des pas en pleine conscience, donc d'aller marcher. Quand l'énergie est là, la marche, bon, je marche, mais ici, ça rumine beaucoup. Donc j'essaye de voir la situation, qu'est-ce qui s'est passé. Et donc c'était apaiser le moulin là-haut, et donc de porter toute mon attention, ce qu'on appelle l'attention appropriée, et d'amener mon attention à la plante de mes pieds, à mon souffle, à la nature. On a beaucoup de chance, l'environnement est magnifique, mais partout où on se trouve, il y a toujours le ciel, il y a des fleurs, il y a des rires des enfants, le sourire des amis qu'on peut croiser. Donc c'est reconnaître en fait toutes ces petites conditions de bonheur pour nourrir, faire toucher la joie en nous, quelque chose, c'est là. Et donc m'apaiser, prendre soin et me dire surtout, ça va, Sardaonim, tu es en colère, ça va, ça va. Vraiment bercer et embrasser. Et de me dire, c'est pas ton ennemi, elle est là pour dire quelque chose, il y a quelque chose qui s'est passé, qui a été touché en toi. C'est pas toujours facile, c'est pas facile à faire, parce qu'en fait, je suis en colère contre moi-même d'être en colère, et je me reproche de pas être capable de pratiquer mieux que ça. Et donc, c'est de voir ce disque, cette radio, hein, la chaîne de radio qu'on allume et qui dit ah là 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 là, la chaîne jugement et la chaîne critique ou tout cela. Et donc, c'est fermer ces chaînes et diriger plutôt, ouvrir la chaîne pleine conscience et acceptation. Et puis il y a les quatre pratiques offertes par notre maître. Ensuite, quand c'est apaisé, quand l'esprit est apaisé, je vais d'abord dire qu'est-ce que j'ai fait moi-même. Donc mon esprit s'est apaisé, marcher, faire la méditation assise avec la sangha le soir, aller dormir hein, car j'étais fatiguée. Et ensuite, quand je me suis couchée le soir, hein, j'ai vu mon esprit qui cherchait à retourner dans la situation. Mais les pensées du soir, si je reste dans des pensées d'irritation ou d'être contractée, elles vont le matin, elles seront là encore. Hein. Donc les pensées. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé ma journée. Et quelles étaient,
comme Sœur Yakhnim parlait des îlots de lumière hier, donc on peut prendre cette image. Quels étaient ces les petits îlots de îlots, les petites îles de lumière qu'il y avait eu pendant la journée qui s'était écoulée, à côté de la situation, parce que la situation c'était un moment de la journée, mais dans la journée il y avait plein d'autres choses. Donc de regarder comment était mon énergie de stabilité ou de paix, par exemple pendant que je mangeais, oh ben c'était pas si mal. Comment était la méditation assise? Oh ben c'était pas si mal, j'avais une énergie tranquille et de paix. Donc d'observer ma journée et d'avoir ces petits points de lumière. Et ça a changé mon esprit. Au lieu de rester contracté, fermé dans ce qui s'était passé, au contraire, ça m'a ouvert. Hein. Et le lendemain matin, donc pour moi, ma pratique aussi, c'est de calmer mon esprit le soir. Hein. Calmer, apaiser les pensées le soir. Hein. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillée, j'ai pu observer mon esprit. Tout de suite, l'esprit cherchait à prendre la situation de la veille. Et un gatha que j'aime beaucoup, un petit poème que l'on peut réciter, se réciter chaque matin. Et je sais que beaucoup d'entre vous, vous connaissez. Vous pouvez me dire ? Oui, très bien. Me réveillant ce matin, qu'est-ce que je fais ? Je souris. Se réveiller, même si la veille, ça n'avait pas été facile, sourire, je souris. J'ai 24 heures toutes nouvelles devant moi. Parce que je sais, et je peux vous dire, c'est un petit poème qui paraît tout simple, mais il est extraordinaire pour changer la façon, le parfum de notre journée, la saveur de notre journée. Donc, me réveillant ce matin, je souris. J'ai 24 heures toutes nouvelles devant moi. Je fais le vœu de les vivre en pleine conscience, hein, ou en pleine conscience bienveillante, en pleine présence, d'être vraiment présent pour tout ce qui se passe en moi, ce qui se passe autour de moi, d'être vraiment là, vraiment vivant. Et je fais le vœu donc de vivre cette journée en pleine conscience et de regarder le monde avec les yeux de la compassion. C'est-à-dire de changer mes lunettes ou changer mes yeux au lieu de regarder ma sœur par exemple vers qui j'avais dirigé cette énergie, de regarder et de la comprendre, de comprendre chaque être humain est un univers à être découvert, à découvrir, un univers à découvrir. Et donc j'ai regardé ma sœur que j'aime beaucoup. Et en fait, ce que je me suis aperçue, c'est ce qu'elle avait ressenti, elle, c'est que je lui avais fait des reproches et que je lui avais mis qu'elle était comme... C'était de sa faute à elle. Or, la situation, j'étais en colère, pas contre elle, mais j'étais en colère contre la situation, contre des faits, des conditions qui s'étaient mises ensemble pour manifester quelque chose. Et j'ai ressenti tellement d'amour pour elle et de lui dire pardon, pardon, pardon. Et donc, je l'ai rencontrée un petit peu, puis après, je lui ai dit à quelques minutes, bon, elle était occupée, mais je lui ai dit, mais juste quelques minutes, elle m'a dit, ben oui. Je lui ai dit pardon, et je lui ai dit, vous savez, Thaï, il nous dit 4 mantras. Enfin, il y en avait un cinquième après, mais vous devez les connaître, les mantras. Mais le quatrième, c'est, chérie, je souffre, s'il te plaît, aide-moi. Et donc, quand je lui ai exprimé, je lui ai dit, tu sais, je fais mon mieux possible, mais quand des fois, j'arrive pas, c'est la réactivité, c'est trop fort, et je réagis à la situation, et je veux pas te faire de mal. Donc, s'il te plaît, aide-moi, comprends-moi. Et on a continué à parler ainsi. Mais donc, chérie, je souffre, s'il te plaît, aide-moi. Le Thaï, souvent, quand il nous disait ce mantra, il disait, souvent, quand on a mal, hein, qu'est-ce que l'on fait ? Non, non, ça va bien, ça va bien. Je vais bien, je vais bien. Et on s'enferme un peu dans notre chambre. Et souvent,
Au début, quand j'étais un peu, quand maintenant j'ai travaillé quand même avec cette graine et elle s'est beaucoup transformée, beaucoup, beaucoup transformée. Mais avant, je m'enfermais beaucoup. Je m'enfermais dans ma chambre et je pleurais parce que j'avais honte. Mais non, maintenant, bon, c'est là, j'accepte, c'est plus facile, c'est là. Bon, je fais de mon mieux. J'ai souvent Sœur Yacnim, hein, qui parlait hier, elle me disait, on était des fois dans des situations, parce que la maison de l'Inspire, pour ceux qui connaissent, c'est une petite maison, et de temps en temps, quand on vit tous ensemble, et on prend l'exemple, lorsqu'on était 9 sœurs quand j'y étais, 8 ou 9 sœurs, et c'était comme si on était avec 9 belles-mères. Enfin, parce que moi j'étais une belle-mère pour les autres aussi. Hein. Et donc, et c'était de temps en temps pas si facile. Et ma grande sœur, elle me disait avec beaucoup d'amour et de compassion, quand des fois j'étais pas toujours. Y avait des réactivités envers elle. Elle me disait, je fais de mon mieux, je fais de mon mieux. Je t'aime beaucoup, je fais de mon mieux. Et moi aussi, maintenant, je vois que je dis la même chose aussi. Je fais de mon mieux aussi. Et c'est ainsi. Et je vois l'heure passer. Je vais essayer de terminer là. Et donc, je vais vous dire aussi les trois autres mantras pour nos amis qui ne connaissent pas, qui sont un peu nouveaux ici. C'est le premier mantra, c'est « Je suis là pour toi ». Ça veut dire d'être vraiment là, d'être vraiment présent. Et le deuxième mantra, « Je sais que tu es là et je suis très heureux ». Pouvoir dire cela, « Je sais que tu es là et je suis très heureux ». Et le troisième mantra, « Je sais que tu souffres et je suis là pour toi ». Et le quatrième, « Je souffre, s'il te plaît, aide-moi ». C'est le plus difficile à dire. Hein. Et donc, avec la graine de colère et avec les différentes émotions qui peuvent nous traverser, des émotions fortes ou des pensées difficiles, c'est quatre pratiques qui peuvent nous aider. Se dire, est-ce que je suis sûre? En suis-je vraiment sûre de ce que la personne pense ou de ce qui est pour elle? Donc, découvrir l'autre, être à l'écoute, écouter. Vraiment, complètement. Écoutez. Et que suis-je en train de faire, hein? Qu'est-ce que je suis en train de faire là, en ce moment? Là, en ce moment, vous êtes. Est-ce que vous êtes là, en train de m'écouter, ou vous êtes parti peut-être ailleurs, ou ce qu'il va y avoir pour le repas, ce que vous avez dans votre boîte pique-nique, ou ce qui va se passer cet après-midi, ou plein de choses comme ça qui passent. Hein? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je reviens à mon souffle. Et puis, quatrième pratique, de se dire, je te vois, énergie d'habitude. Et donc, je te vois, énergie d'habitude, de réagir trop vite. Je te vois. Et la quatrième pratique, c'est l'esprit d'amour. Quelle est mon aspiration profonde, ma volition profonde? C'est qu'est-ce que je consomme, de quoi je m'alimente, hein, qu'est-ce que c'est mon intention profondément, mon aspiration profonde. Donc c'est, si vous êtes là tous, hein, c'est que vous avez un esprit d'amour, hein. Vous avez envie d'offrir de la paix, vous avez envie d'offrir la compassion, d'offrir de vous-même, de vous offrir un beau chemin et d'ouvrir un beau chemin pour tous les êtres et de soulager la souffrance, la peine. Donc cet esprit d'amour qui nous motive à venir dans des retraites comme celle-ci, de pratiquer la pleine conscience bienveillante, de pratiquer la bienveillance, d'être vraiment présent. Voilà. Et je vais terminer parce que pendant ce voyage en Israël et en Palestine, bien sûr, il y a différents auteurs que j'aime beaucoup, que j'ai lus, que je lis.
Et il y a une phrase que Viktor Frankl, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un survivant de l'Holocauste. Hein. Il est décédé maintenant, mais il a écrit beaucoup de livres. Hein. Il était survivant. Et une phrase qu'il a écrite qui est très belle, c'est « Des forces, des puissances, des forces au-delà de notre contrôle peuvent prendre tout ce que vous possédez. Des forces au-delà de notre contrôle peuvent prendre tout ce que vous possédez. Votre dignité, votre humanité, tout. Excepté une chose, votre liberté de choisir comment vous allez répondre à la situation. Votre liberté de choisir comment vous allez répondre à la situation. Et nous avons cette liberté, et vous êtes là, et vous, vous apprenez un chemin de pratique. Et je termine là. Je sais que dans notre hameau, hameau du bas, ce soir, nous aurons la présentation des 5 entraînements à la pleine conscience. Ici, au hameau nouveau, je crois que c'était hier. Hein, et au hameau du haut, peut-être aujourd'hui aussi. Vendredi. Okay. Et c'est un chemin merveilleux qui est de pratique concrète, hein, qui nous protège, qui nous guide. Et aussi, demain matin, on aura la transmission des 14 entraînements à la pleine conscience, qui sont pour les personnes qui veulent joindre la communauté cœur du village des Pruniers, mais qui peuvent être pratiqués par tout le monde et qui sont des entraînements merveilleux pour nous aider à voir qu'est-ce que je peux faire dans cette situation. Et donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et mon frère, maintenant, va nous offrir... Sœur Yakhnim, hier, je pense qu'elle pensait, elle parlait de savourer, déguster. Donc, il va nous offrir le plat de résistance. Moi, je vous offrirai l'apéritif. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci. Merci, frère.